Bonjour, je suis Frédéric de Radiguet, je suis le directeur général de la Brasserie Nationale et de la société Munoven. Brasserie Nationale et Munoven font ensemble à peu près 160 000 hectolitres de bière, les bières Batin et Boferding. Nous avons lancé également cette année-ci l'autre eau, l'Audis. Un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros pour à peu près 280 personnes qui travaillent chez nous à l'heure actuelle. La première raison de participation à ce programme, c'est l'impact de la crise sur notre activité économique, puisqu'on a perdu plus de 20 millions de chiffres d'affaires. Il faut savoir que nous sommes essentiellement présents dans l'Horeca. La fermeture de l'Horeca et la diminution de fréquentation de l'Horeca nous ont fortement impactés. Et je pense que clairement, ce programme nous a aidés dans le processus d'identification des projets. Le programme Fit for Resilience nous a effectivement permis, grâce à sa méthodologie, d'identifier trois projets principaux. Le premier, effectivement, est un projet d'utilisation des eaux usées, avec un retraitement allant jusqu'à 70%. Le deuxième est un projet de digitalisation de nos relations entre les clients et Munoven, et la brasserie également. Et le troisième projet est un projet d'optimalisation de l'utilisation de nos lignes de production de manière à réduire nos stocks et avoir en fait une meilleure rotation de nos produits.